Bonjour à toutes et à tous, c'est Cyril Lemarbach. Alors, on se retrouve juste avant la vidéo parce que j'ai quelque chose à vous proposer. Lors du montage de la vidéo unboxing du clavier, je me suis rendu compte que c'était super long. Voilà, ça c'est mon montage, ça dure 18 minutes au total. C'est très très long et je me suis dit si je rajoute mon avis derrière, ça va faire vraiment une vidéo extrêmement longue. Donc voilà l'idée que j'ai eue en tête, c'est de séparer les vidéos unboxing première impression et les vidéos avis test. Le truc, c'est que j'aime bien être super complet lorsque je fais des déballages ou des tests. Donc les vidéos durent beaucoup plus longtemps. Et c'est pas juste, bah dans cette boîte, il y a le clavier, tel truc, tel truc, tel truc, et basta. Je vais donc mettre un petit sondage juste ici. Et il faudra me dire si oui ou non, séparer l'unboxing, première impression, et la vidéo avis test, ça vous intéresse, si ça vous convient mieux. Il faudra me dire dans les commentaires si vous voulez que je sois plus succinct, plus bref. Ou alors si vous aimez bien que je donne toutes mes ressentis, que je donne un maximum de détails sur les produits. Donc voilà, c'est super important parce que bon, il y a un choix à faire. Soit il faut que je raccourcisse énormément les vidéos pour que tout tienne dans une vidéo sans que ça soit trop long. Soit je sépare en deux vidéos et je peux faire du coup quelque chose de beaucoup plus complet. Voilà, c'était tout. On passe tout de suite à la vidéo. Si jamais à la fin de la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et si vous êtes intéressé par la vidéo à vitesse qui va arriver sur ce clavier, bah, n'hésitez pas à vous abonner et vous serez averti lorsque la vidéo sortira. Allez, je vous laisse. Bon visionnage. Attends, j'ai le temps. Oh. Oui, je suis en jogging, alors je suis très bien comme ça chez moi. Bonjour à toutes et à tous, c'est Cyril Lemarbach et on se retrouve dans une nouvelle vidéo unboxing avis sur un clavier d'une marque qui, je pense, en France n'est pas extrêmement connue. En général, si je vous parle de clavier gamer, vous pensez notamment à Corsair, SteelSeries, Razer, Rocat, Logitech, qui sont des claviers, en France en tout cas, très connus. Il y a peu de temps, c'est qui d'ailleurs, je sais plus. Un abonné de la chaîne du nom de Kiri Emura m'a dit qu'il voulait acheter un clavier Ducky One 2 Mini. Dans ma tête, je me suis dit, je connais pas cette marque, mais ce nom me dit quelque chose. J'ai fait des recherches et effectivement, c'est une marque qui a une très bonne réputation dans le monde du gaming, notamment du e-sport. Mais au niveau du grand public dans le gaming, c'est une marque qui n'est pas forcément connue. Moi, par exemple, on me cite Corsair. Bah, je connais évidemment Corsair parce que c'est extrêmement connu. Mais comme là, on me cite Ducky, je me dis... Noni. Je me suis donc renseigné et j'ai vu que c'était un clavier 60%, soit un clavier vraiment très très petit. J'ai hésité à tester celui-là et le couleur SK621 qui est lui aussi un clavier 60% qui m'avait là par contre tapé à l'œil quand je l'ai vu dans un magasin. Mais au fur et à mesure des recherches, je me suis plus orienté vers le Ducky et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en voulant regarder des vidéos test en français, j'ai vu énormément de vidéos où c'était en général « Ouais, je déballe mon clavier Ducky, c'est trop bien. Du coup, il a l'air trop cool, je vais le tester sur Fortnite. » Et j'étais là, mais... Oui, bon, je me moque, mais bon, je voulais en savoir plus sur ce clavier-là. La deuxième raison, c'est que c'est un clavier, comme je vous l'ai dit, qui est très peu connu, en tout cas en France, qui doit parler à très peu de gens, et ça m'a poussé plus vers cette marque-là, parce que Color Master est quand même beaucoup plus connu. Et la troisième raison, c'est que j'ai quand même pu trouver au fin fond de YouTube, et c'est quand même ouf, quelques rares vidéos sur ce clavier, et j'ai entendu des choses comme « Ouais, 120 euros, complètement de l'arnaque, vous ne dirigez pas sur ce clavier-là, surtout que ça se prend 60%, il n'y a pas de petites touches, machin, il n'y a pas de logiciel, machin et tout. » Donc, on va voir si c'est justifié ou non. J'ai, voilà, ce clavier Ducky One 2 Mini sous la main. Ça y est, enfin, parce que ça faisait un long moment que j'essayais de me procurer ce clavier. Et là, pour vous dire, je suis en train de porter plainte contre quelqu'un parce qu'il m'a arnaqué sur le bon coin en voulant acheter ce clavier. Hein, j'ai clairement les boules. Surtout que je remercie énormément Anthony Ferron qui, du coup, m'a acheté ce clavier-là, tout simplement, parce qu'il recherchait ce clavier. Le G915, donc merci à lui parce que déjà bah, ça me permet de tester un autre clavier, donc le Ducky One 2 Mini qui est juste ici. Et surtout grâce à lui je voulais pouvoir comparer les deux parce qu'il m'a dit qu'il n'était pas pressé et de garder ce clavier tant que je n'ai pas reçu le nouveau. Merci beaucoup à toi franchement. Et toi on va te reposer là parce que tu vas bientôt être remplacé. Une chose à savoir c'est que je savais que c'est un clavier 60%, petite pochette de qui, et je sais que je devais m'attendre à un clavier très petit, mais je vous avoue que j'ai quand même été surpris. Déjà j'ai vu la taille du carton, j'ai fait putain c'est petit, et quand j'ai vu ça dedans, j'ai fait waouh, c'est vraiment petit, c'est vraiment ouf. Alors avant toute chose, petit aparté, donc j'ai dit 120 euros ce clavier que l'on peut trouver maintenant sur ldcmaterial.net. Si vous voulez absolument en avoir un, je vous conseille de vous dépêcher parce que ça m'étonnerait pas que ça parte extrêmement rapidement et les stocks ne se remplissent pas très rapidement. Faut savoir que le matériau utilisé pour les touches, c'est du PBT double shot. Faut savoir que c'est un matériau en fait qui est beaucoup plus résistant que
les K-Caps, donc ça s'appelle des K-Caps, qui sont beaucoup plus résistants, beaucoup plus épais et beaucoup plus solides que les touches qui sont habituellement fournies sur les claviers tels que les Corsair, Logitech, HyperX, etc., etc. Et bien entendu, qui dit meilleure qualité dit un prix plus élevé. Alors j'ai essayé de rechercher les prix des K-Caps en PBT, j'ai vu que ça tournait entre une vingtaine et une trentaine d'euros, mais je ne sais pas si c'était pour 5, 6, voire 7 touches, ou alors pour une centaine de touches. J'ai pas réussi à voir, si jamais vous avez l'information, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais voilà, sachez que bah, ça coûte bien plus cher que les K-Caps que l'on a habituellement sur ces claviers. Enfin bref, on va passer à l'unboxing de ce clavier, voilà, de ce petit clavier que j'ai pris en Silent Red au niveau des Switch, donc qui sont des Cherry MX. Voilà, c'est un Switch que je voulais essayer parce que là c'était équivalent des Cherry MX Brown, et bah, j'aime pas trop le petit retour tactile, je préfère quand c'est linéaire. J'ai beaucoup aimé les Red, mais ça fait toujours autant de bruit, et j'ai regardé des vidéos et je trouvais que le Silent au niveau bruit ça atténuait pas mal, donc je me suis dit allez on se lance. Donc c'est parti, déjà très belle boîte, on va faire un tout petit peu le tour, une boîte vraiment très jolie je trouve, très bien décorée, donc avec One 2 Mini, voilà, une petite étiquette pour dire que c'est des Cherry MX qui sont utilisés sur ce clavier, la marque de Key Channel. Derrière on n'a pas grand chose de plus à part les dimensions du clavier, hein, c'est du 302 par 108 mm et 40 mm d'épaisseur. Et il pèse quand même 580 grammes, ce qui est pas mal quand même pour un petit clavier de cette taille. C'est de l'USB, mais normalement, si j'ai bien compris, nous avons aussi du Bluetooth et pas de 2,4 GHz par contre. Ça, c'est dommage, ça aurait été vraiment très cool. Voilà, rien d'autre de plus intéressant, voilà. Alors juste au-dessus, on a ici le switch qui est dans ce clavier, donc ça, c'est bien les Silent Red. Et bien entendu, c'est un clavier RGB. Alors, c'est parti, on va l'ouvrir. Voyons voir le clavier. Est-ce que je vais être encore... Ah oui, putain, ça fait vraiment petit, hein. Alors, on a une petite protection qui est juste ici, voilà. On va mettre ça de côté. Et on a, voilà, le clavier qui se présente comme ceci. On va venir retirer la petite pochette de qui juste ici. On va poser ça de côté parce que c'est pas ce qui nous intéresse le plus, finalement. Qu'est-ce qui nous intéresse le plus ? La notice. La notice, ou plutôt, qu'est-ce que c'est que ça ? User Manual Guide. Model Name Download User Manual. Alors, manuel que je vais m'empresser de lire, parce que, dans la théorie, ce clavier n'a pas besoin de logiciel pour programmer tout ce qui est touche RGB et tout ce qui est macro. Et ça, je trouve ça très intéressant, parce que bah, tous les logiciels, Logitech, le G-Hub, le Razer Synapse, le Corsair IQ, sont des logiciels qui sont très gourmands en ressources. C'est assez pénible. Et je me suis dit que... Calme-toi, toi. Tiens, voilà, d'ailleurs. Je me suis dit que se passer de logiciel, ça pourrait être pas mal, en fait. Éviter de s'embêter avec des logiciels à installer en plus sur notre PC. On va continuer le déballage. Donc, on a le petit fond One 2 Mini. C'est plutôt stylé comme boîte. Et on a... Mais gros, laisse-moi te déballer tranquillou, quoi. Une barre d'espace supplémentaire avec des petits logos, là, translucides. Alors, c'est apparemment différent suivant les claviers, enfin, suivant les années, parce que apparemment c'est l'année du cochon, en ce moment, ou du porc, je sais pas, à Taïwan. Parce que ce sont des claviers faits à Taïwan. Donc voilà, c'est plutôt sympathique, c'est très joli. On va venir remplacer, bien entendu, cette barre d'espace. Et on a des touches supplémentaires, donc, ici, qui sont bleues. C'est plutôt stylé, c'est plutôt cool. J'ai voulu bleu. Apparemment, c'est assez aléatoire dans les claviers. Moi j'ai eu bleu, donc c'est cool, parce que j'aime beaucoup le bleu. C'est ma couleur préférée. Donc on va mettre ça de côté. On a quoi d'autre? On a le câble USB-C, parce que oui c'est USB-C. Merci de qui de mettre des USB-C, de mettre la nouvelle norme, il est temps. Donc USB-C vers USB 2.0, il me semble, pas forcément 3.0, enfin c'est de l'USB-A en tout cas. Et malheureusement c'est pas un câble tressé, c'est un câble en gaine, mais ça a l'air d'être très costaud. C'est plutôt pas mal à voir, il y a des petites protections. Hop, voilà, je les ai ôtés et c'est de l'or plaqué. Oh putain, ça rigole pas. Bon voilà, hein, USB-A vers USB-C. Un sacré ongle, moi. Pareil, on va mettre ça de côté, ça commence déjà à être le bazar. Et enfin, on a un petit ustensile pour venir enlever les K-Caps que l'on veut remplacer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je mets ça de côté, je vais mettre ça, voilà, au fond, juste ici. Eh gros, tu vas te fermer, comme ça tu vas pouvoir tenir droit et tu vas pas m'emmerder, hein? Oui, je suis en train d'engueuler une boîte, mais bon, si j'ai envie d'engueuler une boîte, je fais ce que je veux quand même, c'est quand même dingue ça. Et ma souris qui a activé un truc. Donc, on va mettre ça de côté là aussi. Ah, c'est le bazar, c'est le bazar. On va éteindre cette souris là. On va venir du coup déballer ce petit clavier. Et voilà le clavier qui est vraiment, vraiment petit. C'est vraiment impressionnant. Alors, c'est vrai qu'il y a les formats TKL qui sont à peu près 65% où on enlève juste cette partie là, hein, TKL, on garde cette partie là quand même. Et 60%, c'est on coupe là. On enlève tout ça. Bien entendu, il n'y a pas toutes les touches F, toutes ces touches-là et celles-ci, on oublie aussi. Hein. Ce qui fait que on va déjà comparer la taille
la taille n'est pas importante. Mais voilà, hein, le changement est radical, j'ai envie de dire. Si, c'est vachement important en fait. Pareil au niveau de l'épaisseur, hein, celui-ci est beaucoup moins épais, déjà parce que bah, ce sont des Cherry MX, j'ai plus le nom. D'ailleurs, ce n'est pas des Cherry MX, ce sont des Roamer G, et ce sont des touches, c'est dur, hein. Je mettrai en sous-titre là le nom de ces touches, hein. Désolé, mais je me rappelle plus. C'est vrai que lorsqu'on touche les K-Caps, la sensation n'est pas du tout la même, on sent que c'est pas la même, exactement le même plastique. C'est assez étrange, c'est beaucoup plus rugueux, c'est plus rugueux. Celles-ci, ce sont des touches vraiment lisses et celles-ci sont rugueuses, ce qui est assez perturbant au premier abord. On s'y attend pas. Voilà, bon, elles sont censées être plus épaisses, plus résistantes, tout ça. Bon, je vais pas pouvoir le dire en l'espace de 2-3 semaines, hein, parce que faut voir ça au fil des années. Après, j'ai pas de K-Caps d'un clavier normal, mais bon, déjà on voit la différence de taille, hein, entre les deux. Et ouais, celle-ci, c'est vraiment lisse, et comme la plupart des claviers que j'ai testés, en fait, c'est vraiment lisse. Celle-ci, voilà, est rugueuse. C'est la première fois que je vois ce genre de touche. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer certaines touches par celles qui sont fournies ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici une touche d'entrée beaucoup plus fine. Alors, pourquoi une plus fine, je sais pas, mais en tout cas, c'est faisable. Peut-être qu'on peut mettre une autre touche en dessous. Voilà, on a des touches aussi avec des logos bizarres, voilà, on a ça. On a des flèches de fournies. Un autre escape en du coup avec une touche bleue. Ouais, la plupart des trucs ce sont des flèches. Je vais les mettre là. Donc voici toutes les touches qui sont fournies. Donc on a des flèches. Évidemment ça tombe. On a le logo de la marque du Key. Là on a un logo. Je suis désolé, je ne sais pas ce que c'est. Oh ça va oui. On a une touche entrée qui est plus fine que celle déjà fournie sur le clavier. Enfin qui est placée sur le clavier. On a le retour. Et par contre, je suis en train de voir, mais il y a des choses... On a une touche entrée noire, si jamais on veut tout mettre noir. Donc ce que je disais, c'est par exemple, je suis en train de voir des petits défauts déjà. Mais quand je vois la différence entre les deux, je vais enlever celle-ci. Donc j'ai l'impression que cette partie en orange, eh bien, n'est pas translucide et du coup ne laissera pas passer la lumière RGB. Et il n'y a pas le supre en dessous, ce qui est dommage. Pourquoi ne pas mettre le supre? Je ne sais pas. Et c'est pareil pour la touche espace. Espace, n'importe quoi. Pour la touche escape, où il y a un petit 2 ici. Et si on reprend la touche escape qui est en bleu, pareil, il n'y a pas le petit 2. Donc ça, c'est dommage. Pourquoi ne pas remettre les infos de qui? Faudra me le dire. Allez, quand même, pour le fun, on va rechanger ces pièces. Alors, chose qui est dommage, c'est que ZQSD, il n'y a pas ZQSD, en fait. Il n'y a que les flèches. Ça, c'est quand même dommage. Donc, du coup, on a les touches. Enfin, on a toutes les lettres, évidemment. On a tout ce qui est les numéros et les caractères spéciaux ici, bien entendu. Donc, pour activer les numéros, il faudra appuyer sur la touche Shift et venir taper les numéros. Et pour activer toutes les options que l'on voit ici, donc on a F1, F2, F3 jusqu'à F10, on a pause, programme, origine, impr, donc page suivante, fin. Donc toutes les touches qui sont là, par exemple sur ce clavier, hein, si je prends celui-là, donc toutes les touches qui sont ici sont présentes sur ce clavier. Voilà, hein, mais on peut les lire juste en dessous. Et pour les activer, il faudra venir taper sur FN et du coup venir appuyer. J'ai oublié de changer la barre d'espace. Voilà, donc tout est installé, tout est rangé. Alors je vais juste faire un petit tour en bas pour vous montrer. Voilà, 4 patins anti-dérapants. On a les pieds juste ici avec 2 niveaux possibles, ce qui fait 3 au total. Vous pouvez le mettre soit à plat, soit à mi-hauteur avec ces 2 petits pieds ici. Donc voilà, tac. Soit la hauteur max avec ces 2 pieds là. Sachant que ça fait vachement relevé par contre, je trouve. Ah, ici c'est un... C'est bizarre, on dirait un plastique à moitié caoutchouteux, c'est quand même bizarre. On a ici donc le petit on et des petits profils, j'ai l'impression. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Il faudra que pareil, je regarde la notice. Si j'active tout, ça fait quoi? Est-ce que ça s'allume? Non, il s'allume pas. Donc en dessous, chaque pied 1, on a un petit patin anti-dérapant. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Derrière, on a le Ducky One 2 Mini avec une partie blanche. Ça, c'est plus... Je trouve ça plutôt pas mal, ce double ton blanc-noir. Et enfin, la prise USB-C pour venir alimenter le clavier. Ok, juste avant ça, on va faire une petite comparaison avec... Enfin, une petite. Ouais, petite, parce que je vais pas le garder non plus trop longtemps. Je vais l'envoyer, ce clavier, quand même, à mon acheteur. Mais voilà, je remets les deux côte à côte pour voir la différence de taille. Hein. C'est vraiment, vraiment un truc de ouf. Au niveau de l'épaisseur, pareil, on est sur pas la même chose. Hein. Celui-ci est beaucoup plus épais. Alors, à voir si je vais réussir à me réhabituer, parce que, bon, je m'étais bien habitué à un clavier très fin. Ça, c'était vraiment cool. Mais bon, par contre, ce qui est flagrant, c'est la qualité des... Enfin, la qualité. Le changement de ressenti entre ces K-Caps-là et ceux
ceux de Ducky One qui sont en PBT, je répète, c'est vrai, la différence est vraiment flagrante. Et du coup, moi j'ai un très bon ressenti, franchement c'est cool. Et ce qu'on va faire pour finir, deux choses, c'est déjà voir la différence de bruit entre des... Alors ça c'est des Roamer G tactiles, mais c'est équivalent à des Shery MX Brown. Et la différence donc de bruit avec les Shery... Je vais répéter. Les Shery MX Silent Raid. Quel accent, nom de Dieu! Ok, c'est parti, on va commencer par le Logitech G915. Ok, on va passer du coup, hop là, je vais mettre là, ça fait vraiment plus petit hein. On va donc passer au Shery MX Silent Raid du Ducky One 2. Donc voilà, vraiment, alors, toute cette partie-là est bien plus silencieuse, hein, tout ce qui est ici. C'est bizarre que la barre d'espace soit beaucoup plus bruyante. Alors, je ne sais pas si c'est normal ou quoi, mais bon, elle est quand même plus bruyante. Mais sinon, les autres touches, c'est vraiment beaucoup plus silencieux. Ah, j'avais mal enfoncé la touche espace. J'en connais une qui va être contente ici. J'ai pas levé les bras. Oh, on s'en fout que t'aies un pantalon ou pas. Oh, et puis au pire, ça fera plus de vues. Ah bah, faut bien se démarquer, hein. Bah, pour le coup, est-ce que je me démarquerai? Et du coup, pour finir, on va voir ce que vaut l'éclairage RGB, mesdames et messieurs, parce que oui, je sais qu'il y en a plein qui attendent ça. Mais que vaut le RGB? Moi, j'adore le RGB. Je veux savoir ce que ça fait, ok? Ne vous inquiétez pas, j'y arrive. C'est ce qui est dommage, par contre, c'est vraiment dommage, c'est que bah, je retrouve un câble. Alors le rétroéclairage, ouais bah c'est plutôt pas mal je trouve. Voilà ce que donne le rétroéclairage. Alors là c'est vu de jour. Je vous ferai des petites séquences où on est dans la pénombre ou dans la nuit la plus totale. Voilà, je voulais dire la sombriété, mais ça n'existe pas en fait, c'est pas français. Donc voilà, un rétroéclairage qui pour le coup a l'air de bien éclairer toutes les touches. Si je regarde, voilà, yes, ça c'est bien éclairé. Alors quasiment toutes les touches. Tous les caractères spéciaux qui sont ici en contrebas sont éclairés. Ça je vais pouvoir les voir par rapport au Par rapport au Logitech G915, ce sera mieux. Par contre, tout ce qui est en dessous là, sur le côté bas, eh bien, ce n'est pas rétroéclairé. Ça, c'est dommage. Et du coup, voilà ce que ça donne en termes de rétroéclairage de jour face au Logitech G915. Donc voilà, qui se trouve juste ici. Donc c'est deux rétroéclairages vraiment différents. Celui-ci est beaucoup plus voyant parce que déjà, on a les caractères plus le reflet qui se trouve juste en dessous. Voilà, on a vraiment, on a l'impression d'avoir une nappe de RGB en dessous, ce que n'a pas le clavier G915. Alors c'est deux styles différents, c'est pas le moment toi. Donc je disais, c'est deux styles différents, complètement différents, chacun à ses goûts. Moi personnellement, ah, j'aurais quand même une petite préférence pour le G915. Voilà, ce côté plus discret, plus sobre du RGB, franchement j'aime beaucoup. Mais bon, j'aime quand même beaucoup celui-là qui est très sympathique. Et comme je le disais, voilà. Alors, on va dire à moitié eu tort. Ces touches-là, donc en bleu, sont rétro-éclairées, mais en fait, il n'y aura que le orange que vous pourrez voir, parce que bah, c'est une matière opaque translucide orange. Matière opaque translucide orange, n'importe quoi. Donc c'est une zone transparente, mais qui est de couleur orange, ce qui fait que bah, ça va rester orange. Il n'y aura pas, comme ici par exemple, une multitude de couleurs. Et il faut les temps que je fasse un stop à la vidéo, moi. De couleur, bien entendu. Donc voilà, bah, il est temps que je teste ce clavier sur plusieurs semaines, parce que, bah, déjà, faut que j'y m'habitue, il y a plein de touches qui sont en moins. Il faudra le FN pour l'activer. A voir si, du coup, comme je fais de la programmation en ce moment, est-ce que ça peut déranger ou non. Est-ce que ça peut déranger pour mes montages vidéo aussi. Donc, plein d'habitudes qui vont changer, qu'il faut que je change. Est-ce que je vais réussir ou non. Est-ce que, par exemple, un clavier plus petit, eh ben, forcément, ça sera mieux pour la souris. Mais est-ce que pour tout le reste, en dehors du gaming, est-ce que ça sera bon ou pas. Est-ce que ça va me satisfaire. Ben, c'est ce que je vais essayer de voir.